Bonjour le Krugistan et bienvenue pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 Mortal Empire, toujours avec Grand Brundal. Toujours. Bon, donc Grand Brundal et puis tous les copains, bien sûr. Seigneur non déplacé. Grand Brundal, justement. Donc lui qui se dirige vers Styrgos, pourquoi? Je sais pas. Fallait que j'aille quelque part. Voilà, c'est eux qui vont trinquer. Alors. Je vais regarder si je peux confédérer quelqu'un. Eux notamment, ça me plairait bien. Rouge. Et eux, ça me plairait bien aussi. Ok, parfait, ils ont accepté. C'est parfait. Donc ce qui fait que ça agrandit notre royaume. Ça va au niveau du pognon, ça me met pas dans le mal. Alors, du coup, on a récupéré Karak machin truc. C'est quoi ça? Le hall des serments, garde royale. Lorsque le roi demande un conseil de guerre, il convoque les meilleurs soldats. Permet le recrutement d'un Thane. Ah, c'est un bâtiment normal, ça? Pas un peu. J'ai l'impression que c'est un bâtiment spécial, non? Parce qu'il est rouge. Ça, c'est le bâtiment spécial. Ça, c'est le truc normal. Ah non, c'est juste... C'est juste... Non, ça, c'est... Tiens, tu vois? Non, non, c'est un bâtiment à côté, ça. Hein. Ou peut-être pas. Alors, bon, ça, en tout cas, on s'en fout, ça va nous permettre de recruter des Thane. C'est ça, hein? Ah, merde, j'en ai déjà deux. Ça veut dire que lui, il en a un dans son... Alors... Scotchel Tudrak? Merde. D'accord, et donc là on a un Thane, Urgar machin, qui va donc rejoindre Belgar sans attendre. Que ses seigneurs à lui, bon je vais sûrement les garder pour l'instant, mais ils vont pas faire carrière chez nous, hein. Ils vont pas faire carrière, vous inquiétez pas. Seigneur non déplacé, où ça? Ah mais lui il reste là, t'inquiète. On le laisse en garnison, il sera très bien là. Alors... Ouais, donc ce qui fait qu'au niveau l'ordre public est moins 8, pourquoi? C'est à cause de la Confédération, je pense. Corruption, waouh! Ouais, d'accord. Et alors, je regarde un peu les bâtiments. On y... Je vais virer ça. Ça, on le garde surtout. Comme ça, je vais pouvoir le faire ici. Ça me paraît pas mal. Et donc là si je recrute dans quelle zone moi? Écoute ici, c'est ça? D'accord. Ok, bon, et c'est tout ce que tu as proposé là. On a gagné deux zones, c'est ça? Peut-être Matorka aussi. Ouais, peut-être bien. Matorka qui nous permettra de recruter de ouf. Par contre, moins 22 d'ordre public. Donc on va tout de suite virer ça. On va prendre celui-là pour aller à Matorka. On aura un seigneur par zone, donc là c'est moins 8 et là c'est moins 19. On va enlever l'imposition aussi, moins 15. Et donc le problème c'est quoi? C'est la corruption encore une fois. Climat désagréable. Ah, ce qui serait intéressant, je crois pas qu'on peut le faire sur Total War Warhammer, ce qui serait intéressant, c'est que je le donne à mes alliés des principautés frontalières. Je peux pas lui donner un territoire. Dommage. C'est dommage, parce que tu vois, là, je le ferais sans hésiter. Ça augmenterait mes relations, machin. C'est ce que je pourrais faire de mieux avec cette ville de merde. Un peu le tour de voir s'il y a des constructions disponibles, mais non. Ah, tu vois.
Ah oui, c'est bien ce que je dis, hein. Ici on n'a pas le bâtiment spécial pour les Tain. C'est bien ce qui me semblait. Donc on pourrait faire quoi? Attends, c'est quelle zone? C'est la zone de Karakadrim. L'ordre public est un peu chaud. Mais est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un truc de pureté? Il n'y a pas ça? Intégrité plus 4. Ce bâtiment-là. Ah, et ce bâtiment-là, il serait quand même mieux ici. Sinon, il pourra pas évoluer correctement. Intégrité plus 8. Oh, écoute. C'est pas un drame. Franchement, c'est pas un drame si on l'a pas. Lui, ça fait pas d'intégrité, sérieux, maître des rues. Ouais, j'étais sérieux et tout, là. Ah non, regarde. On va faire ça. Impeccable. Et il est perdu, il sait pas quoi faire, il sait pas avec quelle armée m'attaquer, dans quel sens, il est paumé le machin. Il ramène une armée, il l'enlève, il la ramène. Bon, écoutez les gars, est-ce que j'ai bien envie de faire demi-tour avec Gambrindal et de venir foutre la merde chez les contes vampires? Ah mais non, je peux pas. Ah mais si, il faut. Ah, je suis embêté, hein, je suis embêté. Il faut que je remonte Gambrindal parce que là, il participe plus à la guerre, ça me saoule. Mais je peux pas laisser le sud sans surveillance parce qu'il y a des hordes de wags. Je sais pas si ça se dit comme ça. Non, il y a des wags qui vont apparaître pour reprendre certaines villes. Donc il faut que j'ai une armée puissante en garnison obligatoirement. Activité du héros hostile, bloquer l'armée, succès. Enfoiré. Je peux pas attaquer alors. Si, ça va, ça va. Il m'a juste ralenti, il m'a pas bloqué. Oh, j'ai perdu tous mes fusillés. Ouais, je mets assez. Non, mais non, 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 non. C'était déjà fait ça. J'avais déjà fait au tour précédent. Ah merde! Et puis là, je peux pas y retourner. Merde, quel con! Ah, tu vois, être pressé tout le temps là. Et on va mettre des points de vie. Des points de vie à Thorgrim, il aime bien. Une Grim. Alors, ça donnerait quoi ça? Ça donnerait pas mal. Ouais, non, franchement, j'ai pas envie. Il reste combien de tours avant la famine? Oh, ça va, on a encore 7 tours, on est bien. Pas envie de me lancer dans 10 trucs à la fois parce que je vais me paumer. Donc là, on fait une auberge. Ah, voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser. Ici, Karakirn. Alors, quand j'ai cassé le bâtiment. Ah oui, alors, ici, j'avais décidé de faire une caserne, c'est ça. Et ici, un bâtiment plus intéressant, du genre. Voilà. Par exemple, un atelier d'ingénieur ou. Ah non. Ah oui. Un hôtel des tueurs, bien sûr. Pour aller avec ça, évidemment. Sois pas con. Ah ouais, mais non! J'ai pas besoin, en fait. Je peux déjà. Ouais, mais. Fais ça. Donc si je fais ça, bon déjà ça me permettra de lutter contre la corruption. Ici c'est chaud. Et en plus, plus 2 pour les tueurs. C'est pas du tout ce que j'essaie de faire en fait. C'est ça qu'il me faut. Hôtel du tueur. Hôtel du tueur pour lutter contre la corruption. Basta. Alors attends, tu te mets en mode normal, toi. On va se mettre là pour bloquer le chemin.
C'est qui, Belgar? Est-ce que Belgar a des bonus pour certaines troupes? Attribut assiégeur, déploiement de l'avant-garde, effet de l'aurore, puissance des armes, commandement contre les peaux vertes. Plus 8 pour les guerriers nains et les mineurs. T'as pris ça, sérieux? Bon. Ouais, mais non, je veux pas prendre des guerriers nains. Attends, faut prendre des longues barbes, faut pas déconner. Des tueurs aussi qui ont. Qui arrivent rang 5. On va prendre deux unités de tueurs. À mon avis, ça va faire du mal. Ça va faire du bobo. Oh, il n'y a pas d'unité de tir là-dedans. Alors. Ok, super. Ensuite, Montaigne. Entraînement. Parfait. D'accord. Alors, au niveau de l'ordre public, moins 5 ici, moins 12 ici. Ouais. Eh ben. Ouais, j'ai envie de te dire. Alors, Alric, ok. Belgar, ok. Gambrindal. Oh. Bon bah Belgar va pouvoir faire sa première bataille contre les vampires. Si. Oh Marie Beaumont, enchanté. Allez! Middenland et Bordelot. Ouais, l'épée de Middenland et Bordelot s'en servent. Ils essaient encore de tuer Tolgrim. C'est le mec qui a été le plus assassiné du monde, lui. Tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est se remettre de ses blessures. Oui, ouais, de l'usure, c'est pas bien grave. C'est vraiment pas, c'est pas méchant parce que j'ai les skills qu'il faut pour. Merde, automatique. Par contre, je vais me barrer de là parce que. Genre. Bon, on va pas se faire chier. Alors. J'étais sur quoi? Les points de vie. Et on a notre artilleur qui lui. Oh, triangulation. Ouais, recul ancestral, on s'en fout pour l'instant. Ouais. Ah, regarde, là, il y a une colonie qui serait verte pour moi. On va aller s'installer là-bas. We mark another grudge. C'est pas du tout ce que je voulais que tu fasses, gros. Oui, non, mais je suis content, tu l'as tué. Ce que je veux, c'est la ville, moi. Hein? Bah, on l'aura au bout d'un moment. Hein. Non, faites-moi confiance. Il y aura un moment où je vais arrêter de me planter de boutons. Ok, donc Belgar, là, il est chaud patate. Alors, on va le mettre en mode. On l'emmène.
Après, ce que je peux faire, c'est attaquer avec lui. J'attaque avec la petite armée, comme ça j'ai Belgar qui arrive en soutien derrière. Alors, on va se déployer là, hein, histoire d'être avec notre armée. Ah oui, j'ai lui aussi, c'est vrai. Donc c'est quoi? Spécialiste de soutien, magie runique. Enfin, tu as quoi? Tu as la rune du serment et d'acier, plus 30 d'armure. Affecte les alliés à portée. Rune de la colère et de la ruine, dégâts directs, cause des dégâts importants aux combattants, pardon, efficace contre de multiples cibles. Faible contre un seul guerrier. Ok, c'est y part. Alors, bim, bim. Ça va déjà nous faire un beau bim, ça, tu vois. Ben, artillerie, ça va pas être terrible. Va falloir qu'on fasse quelque chose pour l'artillerie, par contre. Martelier. J'aurais demandé quelque chose au martelier, je suis pas sûr. Ça c'est quoi? Ça c'est mes berserkers, on va essayer de les mettre sur le côté. Et j'ai pas... Ah ouais, putain, niveau unité de tir, c'est vraiment la dèche, hein. D'accord. Tout le monde est en place. Enfin, tout le monde se déplace en tout cas. Hop, avance rapide pour se mettre en place. Là. Ici, vous arrêtez de glandouiller là. Ah, je sais pas. J'ai une mise à jour sur mon téléphone. Et t'as Google Voice qui se déclenche tout le temps. Donc quand je vous fais des let's play, ou même pendant les lives, je dis quelque chose et l'autre il part en couille. Là, je sais pas, il m'a fait une recherche sur Bobbit. Bobbitt. Donc John et Lorena Bobbitt. John Wayne Bobbitt, né le 23 mars 1967 à Buffalo, New York. Ça doit être John Wayne, j'imagine. Je sais pas. Il y a des mises à jour bien dans la vie, puis il y a les autres. Donc là, il a pas envie de m'attaquer, c'est ça? Honnêtement, on peut pas y en vouloir. Mais il va être obligé de bouger son cul d'ici quelques temps. Deux secondes. Une fois de portée de tir de baliste, vous allez voir, ça va gigoter d'un coup là-bas. Enfin, je pense. À moins qu'il reste comme un con à crever. J'avais déjà fait ça sur Shogun une fois. Je fais une bataille, le mec. Je vais quasiment tuer toute son armée. Juste en avançant pas après pas. Mais Shogun était particulièrement beubeux, je crois. Pas tarder à bouger là. Ça devrait pas tarder à bouger là. Non, vous êtes chiant là, bougez-vous le cul quoi. Alors hop hop hop. C'est bon, t'es à portée de tir là, tu vas arrêter. Ouais. Allez, on tire. C'est bon, il tire. Pour l'instant, ça bouge pas. C'est quoi ça? Garde des cryptes? Ah! Ça y est! Oh merde! Oh bah!
Ah bah merde, on prend des obus dans notre gueule. Oh bah alors. Oh, loup funeste, non, c'est pas utile. Non, je préférais que tu tapes sur... ouais, sur des gardes des cryptes, c'est très bien. Ouais, les loups funestes, on va s'en occuper avec les arbalétriers, ça va aller. Bon, par contre, commencez pas à m'emmerder avec votre mode escarmouche, là. Mais... C'est quoi, ça? Couronne de commandement indémoralisable, on s'en fout. Vengeance incarnée, oh. Il faudra peut-être s'occuper de... Il faudra peut-être s'occuper du genre de bataille, Krout, quand même. Un petit peu. Les ancêtres Watch. Ouais. Nos ancêtres nous regardent. Et ça passe. Non, ça donne quoi, ici? Ah bah, ça donne fessé, pampan, cucu. Belgar, il est... Normalement, il est costaud, le bétail. Normalement, il est costaud. Ouais, je regarde, je compare ses stats avec les autres, mais à mon avis, Belgar, c'est un des costauds. Bon, sûrement pas autant que Grand Brindal, mais quand même. Ça va crever, je pense, dans pas longtemps. Stop, arrête. Stop. Un tir à volonté, mais tu arrêtes de courir comme ça. Ok. Juste une unité pour aller là-dessus, ça me paraît bien. Ces horreurs des cryptes qui vont crever comme des merdes. Encore une attaque dans le dos, c'est quoi? C'est une fuite ou c'est quoi ça? Oula, c'est... Oh, j'ai cru que c'était Belgar qui était en PLS là. J'ai eu peur quelques secondes. Oh, ça explose pas? Vas-y, explose! Oh, c'est triste, je croyais que ça allait faire boum. C'est bon? Et donc? Hop, on va venir se mettre là. Ah, c'est un cavalier, j'ai pas vu. J'avais pas vu. Regardez-moi ce fantôme là qui se bat aux côtés de nous, aux côtés de nous. À nos côtés, aux côtés de... Oh là 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 là. Il se bat aux côtés de nous. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh oui! C'est magnifique. Ah, oh, c'est magnifique. Bon, ça manque juste un petit peu de canon, d'artillerie, mais cette armée est belle quand même. Donnez-moi un P, donnez-moi un L, donnez-moi un S, donnez-moi une PLS. Ouais. Il faut vraiment que j'arrête de jouer des gonzesses. Ça va finir par me jouer les yeux. Very well.
Il est où mon... C'est lui. Hein. Faire une petite rune qui fait du bien. Une rune de protection. On charge dans le tas. Ah, tu t'en sortiras pas vivant, mon ami. Victoire de justesse. De ma gueule ou... J'ai perdu quoi? J'ai même pas perdu 300 troupes, je lui en ai défoncé 1500. Victoire de justesse. Est-ce que t'as pas l'impression d'être un petit peu sévère dans ton jugement? Ah, je sais, c'est pour m'aider à progresser, pour m'encourager. D'accord. Mais quand même, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. Oui, une faction avec une trésorerie vide et un revenu négatif est considérée en faillite, ça se tient. Ça se tient. Rancune éliminée, rancune envers les suceurs de sang. Ah voilà. Alors du coup... Toi tu retournes te cacher, tu vas prendre ton level. Ouais, c'est un bon commandant quand même. Enfin, il a, voilà, il a des points quoi. C'est fait. Ensuite l'armée de Belgar, on a notre seigneur des runes qui monte. Rune de frappe, attaquant mêlée plus 6. Bon, on va. Ouais, mais ça s'applique sur quoi, ça? Sur moi? Juste sur moi, c'est ça? Ou alors ça s'ajoute à ça, peut-être? Je sais pas, je sais pas. Ça doit être bien, j'imagine. Mais je sais pas où, quand, comment ça s'applique. Ça marche. Quoi d'autre? Ok, Iseria. Tu mets une armée, Iseria? Ouais, je vais lui mettre une armée. Oh non, j'ai plus de thunes. Je lui mettrai une armée plus tard. Grand Brindal, il est dans le mal, par contre. Après tout, s'il se fait déboîter, au pire, il reviendra à la maison et on pourra le renvoyer au nord. Hein, tu vois, d'un autre coup... Oh, mal pour un bien, j'ai envie de te dire. Feu de la forge, capacité passive, feu de la forge. Plus 10% de dégâts des alliés. Hein. C'est bien ça. C'est un passif ou... C'est un passif. Ok, bon les amis, je vais vous laisser là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On n'hésite pas à liker, commenter, partager cette petite vidéo. Et on s'abonne à la chaîne si c'est pas fait. Comme ça, vous êtes au courant de toutes les nouvelles vidéos. Des bisous, à demain. Ciao.